La Colombie bientôt au calendrier de la F1. D'ici 2 ou 3 ans, d'après ce qu'ils disent, la ville aura même été choisie. Barranquilla. Le maire de la ville a déclaré à la radio colombienne: les représentants de la Formule 1 ont déjà visité la ville, ils l'aiment. Si les problèmes restants sont réglés, j'espère que nous pourrons parler d'une course pour la saison 2024 ou 2025. Le contrat sera signé pour 10 ans. Le président colombien Iván Duque avait révélé dès janvier que le pays envisagerait d'accueillir un grand prix. Ça, je m'en souviens, on en avait parlé déjà. Donc, ça sera un circuit semi-urbain sur un tracé qui sera validé par les organisateurs, étant donné qu'il s'agit d'une proposition sportive. Le maire, notre soutien. Ok, bon, à voir si ça va se faire ou pas. Alors, attention, hein, évidemment, les cartels colombiens de la drogue. J'espère que ce sera une ville un peu sécurisée, un minimum, qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Imaginez un pilote de F1 pris en otage par les cartels colombiens qui demande une rançon pour le libérer. Il manquerait plus que ça encore. Je vous laisse commenter, ciao.